tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini. Alors j'ai mis tout ça dans le sac de Kiko, il lui manque ça, il y a la poubelle. Et on va parler des produits que j'ai terminés, donc il y en a quand même quelques-uns. Alors le premier produit que j'ai terminé, vous la connaissez toutes, c'est la laque Sienne. Je ne prends plus aucune autre laque que celle-ci. J'ai trouvé le bonheur, Power 5. Pulvérisation nickel, tenue nickel, mise en place nickel, j'ai rien à dire de négatif, elle s'élimine facilement de brossage, c'est une laque que je reprends, que vous voyez souvent dans mes produits terminés. Ensuite, autre produit fini, j'ai terminé la mousse Corinne de Farm et vous savez que pour moi c'est une de mes chouchoutes et que j'ai racheté et que je re-racheterai, même si j'aime tester les mousses comme ça en forme micellaire nettoyante, j'adore ça. La prochaine, parce que j'en ai racheté une, la prochaine quand j'aurai fini l'autre, c'est une abonnée qui m'a envoyé en cadeau l'eau micellaire de chez Vichy que je testerai. Bien évidemment, mon incontournable de Dove, je l'ai terminé, mais je l'ai bien évidemment racheté. C'est un produit pour celles qui ne le connaissent pas, qui est frais, qui sent un peu l'odeur du linge propre. Vous êtes en sécurité quand même avec lui, parce que moi, je ne transpire pas beaucoup quand même, de base. Mais en tout cas, celui-ci, il a une odeur qui peut se mélanger à votre parfum, c'est pas dérangeant, parce qu'il y a certains déodorants qui sont pas top par rapport à ça. J'ai terminé une mousse à raser, c'était Casino, bah je peux pas, ouais c'est une mousse à raser quoi, voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire quoi. J'ai terminé ce gel là, pour les cheveux, il est vraiment top, de chez top, pour vos garçons, pour votre mari ou même pour vous. Il est sans résidus, il ne va pas cartonner le cheveu. Moi je l'aime bien, mais là c'est vrai que j'en ai racheté d'autres pour me structurer les cheveux autrement. Il peut le faire, hein, il est capable, hein, il a une fixation ultra forte, une tenue 8, mais j'avais envie de tester d'autres gels. Attends les bruits, parce que je balance tout par terre. J'ai fini un gel douche qui a coulé partout parce que j'avais mal refermé, il en restait un fond de l'Eno. Pareil, c'était un cadeau d'une abonnée qui m'avait fait un colidon avec plusieurs produits. Et c'est au Monoï de Tahiti. Alors, je ne connaissais pas du tout, mais l'odeur, je n'ai pas trop retrouvé de Monoï. En ce qui concerne le reste, franchement, ça moussait bien. Voilà, sans plus. Ce pas des produits que moi, je rachèterais de moi-même. Là, j'ai terminé ce produit-là, il est fabuleux. De toute façon, tout ce qui concerne la gamme du Petit Marseillais, j'ai pas trop été dans le gel douche encore, mais les laits, j'en ai encore d'autres, je rachète, j'adore. Mon préféré, c'est celui-là qui est de couleur jaune, mais lui, il était à la sève d'aloe vera au beurre d'amande, impeccable aussi, j'aime beaucoup. En ce moment, j'en teste un nouveau, c'est un Garnier. Lily, elle a terminé celui-ci. Mais je lui ai racheté le Dope à la guimauve. Alors c'est la seule odeur où je suis déçue. Je trouve pas que ça sent la guimauve pour moi personnellement. Autant les autres, je les kiffe. Mais celui-ci, elle aime bien, donc je lui rachète. Mais moi, j'aime pas du tout. J'ai terminé, c'est normal, les soleil, il est fini. Mais j'ai terminé le lait corps nourrissant effet soleil pour peau mat que j'ai pris. Ce produit là pour moi c'est un top que je rachète tous les ans, je l'adore, ça vous fait un teint allé. Je commence dès fin mars, début avril et tout le monde me dit bah t'as été au soleil. Non, j'ai pas été au soleil, j'ai acheté Mixa. Donc ça je vous le conseille les filles pour l'année prochaine, prenez-le, il est vraiment top, moi je sais que tous les ans je le rachète. Ensuite, ce Sensodyne là, qui est censé réparer, protéger blancheur, il blanchit pas les dents du tout. Par contre, j'éviterai de le reprendre. Moi, je suis plutôt plus dans les autres Sensodyne. Ça, c'est mon dentiste qui me l'a conseillé. Mais celui-ci, les couleurs blancs, je ne l'ai pas trop apprécié. Mais bon, il faut finir. Hein. Donc, il est fini. J'ai terminé un gel douche que j'ai beaucoup apprécié. Le gel douche nourrissant Nature et Moi. J'avais fait une vidéo revue dessus. Je crois que j'ai tout effacé. Malheureusement, il va falloir que je vous la refasse et que je vous parle vraiment de ces produits-là parce que ça a été vraiment une belle découverte. Ils sont sans sulfate, sans parabène, ils ne sont pas testés sur les animaux, c'est fabriqué en France, ils ont une éthique et franchement, ça mérite quand même à être connu ces produits-là. Je me sers aussi du shampoing pour les cheveux colorés où c'est top.
Franchement, c'est top. J'ai terminé ce produit-là de chez Evidence, de chez Yves Rocher, c'est le parfum Evidence. Je ne le rachèterai pas, ça sent pas bon. Pour moi, ça ne sent pas le parfum vraiment. Alors, au début, oui, tu dis, oh, ça me dit quelque chose, mais sans plus. J'ai franchement pas aimé. J'ai terminé un cils démasque. Alors ça, vous savez que je le prends et je le reprends, même si je teste d'autres produits entre. Mais ça, c'est un produit pour moi, coup de cœur, que j'adore et que je rachète tout le temps. Vous voyez, j'ai refini un autre Dove. Hein. Celui-là, il est plus petit que celui-ci. Ceux-ci, je crois que je les prends à Action. Vous voyez, ils sont plus petits. T'en as un qui fait 150 et puis l'autre qui fait 200. Donc j'ai, bah voilà, dans la même gamme Nature et Moi, donc là c'était la figue lui, et là lui c'est fleur de cerisier, et deux parfums que j'aime beaucoup, il y a le parfum caramel aussi qui sont super bons, je prendrai. J'ai terminé le démaquillant pur bleuet de Yves Rocher, j'ai rien à dire de négatif sur ce produit là, moi je l'aime bien, sauf un petit peu son prix, mais vous avez toujours des réducs, et du coup c'est un produit que je rachèterai. Ce que j'aime bien dans ce produit là, c'est que quand on mélange bien l'huile et le biphasé, ça se mélange très bien, ça dure quand même longtemps, parce que souvent quand on le pose après, boum, tout remonte, on est obligé. Non, là c'est nickel, ça se mélange super bien. Donc vous voyez, c'est celui-ci, le Sensodyne, que j'aime bien. Voilà, lui il est top au niveau des gencives, ça me fait, parce que j'ai les gencives qui saignent, et là il saigne largement moins. Alors là j'ai terminé, j'en rachèterai un, c'est sûr, pour laver les mains, je lave mes pinceaux avec, j'adore, franchement j'adore. Cette formule là en plus, elle protège nos mains du dessèchement, on a les mains douces et lisses, et c'est vrai, j'adore. Allez chez Action, ils sont beaucoup moins chers Action, les produits Dove, vous avez plein de gel douche là-bas. J'ai terminé le Pure Light de chez Yves Rocher. Alors là, je suis déçue en fait de ce produit-là, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de produits. Voilà. C'est un produit que j'aurais pu racheter parce que j'ai quand même pas mal apprécié le produit dans l'ensemble. J'ai fait un crash test, je crois, dessus. Il se présente comme ça. Mais alors, il n'y a pas de produit dedans, quoi. C'est... Ouais, c'était mon pote Octolie qui m'avait envoyé. Du coup, je suis bien contente que ce n'est pas moi qui me l'ai acheté. Alors ça, c'est un échantillon d'une abonnée qui m'avait envoyé un colis, je crois. Mirabelle, et j'ai été surprise, et j'ai bien aimé, et je me demande si c'est pour il y a des petits grains d'exfoliant dedans, et c'est à la Mirabelle, et je me demande si je vais pas, j'y pense pas, mais l'acheter en plus grand, parce que j'avais vraiment trouvé l'odeur et touche, enfin j'avais bien aimé, en plus il est exfoliant, il est revitalisant, et l'odeur de la Mirabelle, j'avais super bien aimé. J'ai enfin fini le combo. On n'en parle plus, poubelle. Voilà, j'ai enfin fini. Où je vous ai toujours dit depuis le début, je vous ai jamais menti, je n'ai strictement rien vu l'efficacité de ces crèmes-là. Vraiment. Voyez, plus de 66 euros dans une crème et le sérum, je ne sais plus. Mais là, ça répare visiblement les signes de l'âge. Je vois mieux avec les crèmes là de chez L'Oréal, le sérum et la crème, qu'avec ça. Donc vous voyez comme quoi. Mais après, comme je dis, on est toutes différentes, on n'a pas toutes les mêmes attentes, on n'a pas toutes les mêmes peaux. Donc du coup, ça peut très bien convenir à d'autres personnes. Moi, ça ne m'a pas convenu du tout. Donc voilà pour mes produits terminés. Si vous, vous avez déjà testé des produits, j'aimerais bien avoir votre avis et ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.